Ça y est, on commence. Donc, je vous remercie beaucoup d'être tous venus à cette soirée. Nous allons présenter deux auteurs coréens de la nouvelle génération. Je voudrais donc commencer par remercier, bien entendu, tout de suite le Centre culturel coréen d'avoir permis cette soirée. Je voulais remercier aussi, bien sûr, le KLTI, qui a permis le déplacement de ces deux auteurs de Saint-Louis à Paris et à Saint-Louis, puisque nous sommes allés à la foire de Saint-Louis ce week-end. Et vous remercie bien sûr d'être là. Donc, on va essayer d'aller assez rapidement pour les présentations, pour pouvoir passer à des questions et aborder Saint-Louis par de la littérature. Et je vais tout d'abord donner la parole au directeur du Centre de culture coréen, M. Lee Myung-soo. Très heureux et honoré de recevoir aujourd'hui d'introduire Mme Chen Hunyang et M. Kim Hwan-soo, des représentants de la jeune génération des Clubs coréens en pleine ascension. Tous les deux viennent d'avoir un premier roman paru en France et les deux livres sont sortis presque en même temps le mois dernier. Donc, a dû le cirque de Chen Hunyang aux éditions Serge Sapin et le placard aux éditions Chico. C'est à l'occasion de cette apparition que d'autres écrivains se sont rendus en France pour participer à diverses manifestations littéraires. Ils viennent tout juste de revenir de la foire du livre de Saint-Louis et donc ils étaient invités d'honneur et où ils ont remporté un joli succès. Comme il s'agit d'auteurs de talent, nous avons voulu, nous aussi, profiter de leur venue pour les présenter à notre public. Je leur souhaite de la bienvenue à Paris et tiens à les remercier de leur participation à cette soirée. Je remercie également les directeurs ici présents, M. Sergio Sapin et Renal Monmui, pour avoir mis sur pied avec nous cette rencontre et aussi pour l'intérêt qu'il porte à notre littérature et à nos auteurs. Enfin, les remerciements iront aux traducteurs dont le rôle est, comme on le sait bien, fondamental pour faire sentir au langage français la qualité des textes. Sans oublier, bien entendu, l'institut coréen de la traduction littéraire, dont je tiens à saluer le travail. C'est un organisme public qui déploie de gros efforts pour faire mieux connaître la littérature coréenne et dont veillent les écrivains hors de nos frontières. Sans son soutien précieux et la volée en France de nos 12 invités aurait été difficile à organiser. Je vais maintenant laisser la parole aux éditeurs et traducteurs qui vont vous présenter vos deux écrivains et leurs livres. Et je vous donne rendez-vous au virtuel tout à l'heure après la séance de dédicace. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Donc, nous avons comme intervenant à la table, bien sûr, Chen Hunyang qui a écrit donc Adieu le cirque et qui a écrit Le placard. Et Madame Kim In va être l'interprète de l'Assemblée. Et en même temps, nous allons avoir quelques textes des extraits qui vont être lus par Véronique Demange, qui est comédienne, qui a joué déjà dans Candide, Les Blondes, Madame Sorgène, mais elle va en dire peut-être un petit peu plus sur sa carrière, et qui va lire des extraits en français, bien entendu. Comme ça, on va pouvoir. Alors, pour ceux qui ne. Je ne me suis pas présenté, le directeur m'a présenté, Serge Safran.
Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mes liens avec la Corée sont déjà très lointains, puisqu'ils ont commencé dans les années 90, où j'avais réédité « Pauvre et douce Corée » de Georges Ducrot, et à partir de là, beaucoup d'auteurs coréens, notamment au sein des éditions Zulma, que ce soit Hong Seok-kyung, Hong Seung-won, Kim Woo-jung, enfin beaucoup d'écrivains. Et là, un concours de circonstances a fait que j'ai lu à peu près en même temps, en lecture, ces deux manuscrits ici. Moi, j'étais en train de quitter Zulma pour fonder ma propre structure, Serge Safran éditeur, et je ne pouvais pas me lancer dans trop de livres en même temps. Et comme je connaissais très bien, évidemment, depuis longtemps, Raymond Monde et la qualité de son travail et son intérêt pour les langues, les traductions, enfin les livres de littérature étrangère, je lui ai proposé éventuellement de publier le placard, ce qu'il a fait volontiers. Et donc, voilà, et tout, il faut du temps pour traduire, pour préparer les choses. Et donc, c'était à peu près l'année dernière. Et en fait, là, on s'est organisé de façon à sortir les deux livres en même temps, ce qui a permis justement d'organiser ce déplacement depuis Séoul à Paris et à la Foire de Saint-Louis. Effectivement, ça s'est très bien passé. Et de pouvoir organiser aussi cette soirée en même temps. Enfin, c'était un peu compliqué tout ça, mais enfin, bon, finalement, ça m'a. Alors, pour les auteurs, je voulais te présenter rapidement. À moins que, Rénal, tu veuilles dire quelque chose concernant le placard, je te laisse la parole, si tu veux. Oui, vas-y. Il marche, là. Ça fonctionne. On va faire sans micro. Merci. Donc, premièrement, je remercie les auteurs d'être présents et puis notre auteur, parce que c'est un livre absolument superbe. J'ai malheureusement pas eu le temps de lire Adieu le cirque, parce qu'on me l'a arraché des mains quasiment pour le lire. Hein, mais ça, c'est une affaire familiale. Donc, je ne désespère pas de pouvoir le reprendre très rapidement. Je voudrais quand même remercier aussi les traducteurs qui se cachent dans le fond. Là, ils sont juste à l'avant-dernier rang, ils ne veulent pas se montrer, mais moi, je les vois. Parce que j'ai été séduit par le livre, c'est grâce aussi à leur travail. Il faut vous le dire, hein, le travail des traducteurs est primordial, parce qu'en fait, c'est eux qui arrivent à restituer, la quintessence du livre et à se fondre dans l'esprit de l'auteur. Hein. Moi je suis très sensible, donc j'ai un passé d'éditeur, 25 ans d'édition, en littérature étrangère, je n'avais jamais fait de littérature coréenne et je suis réellement séduit par ce livre et puis je pense que je serai aussi séduit par Adieu le cirque dès que j'aurai l'occasion de le lire. Voilà. Donc je vous remercie, je vais laisser la parole à mon ami qui fera très bien le modérateur, moi j'ai retourné m'asseoir. Voilà. Je voulais vous dire aussi juste une dernière chose, bien évidemment, après cette intervention, les auteurs auront plaisir de dédicacer leurs ouvrages. Il y a une petite table avec quelques livres et j'officierai derrière la table. Hein, voilà. Merci beaucoup. Oui, effectivement, j'avais un peu oublié les traducteurs, il ne faut surtout pas les oublier. Et les traducteurs, qui sont d'ailleurs les traductrices de Adieu le cirque, ne sont pas là pour la simple raison qu'elles vivent toutes les deux à Séoul. Il y a Karine de Villon et Son Yung, qui vit également à Séoul. Donc elles ne peuvent pas être ici, évidemment, pour présenter le livre. Donc, avant d'entamer quelques questions, je voulais juste dire deux mots sur les auteurs. Moi, j'ai été dans l'histoire que j'ai publié, comme je vous l'ai dit, pas mal d'auteurs coréens et très peu de femmes. Bon, c'est un problème culturel. Il y a des femmes écrivains coréens, bien sûr, mais il n'y en avait pas beaucoup dans la génération précédente, ou en tous les cas, qui ont eu accès à la traduction par Ponso, qui est très connue, et en fait, donc j'allais publier Nikyong, mais c'était c'est ma deuxième auteure coréenne, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle appartient à une nouvelle génération. Alors elle est née en 71, elle a fait des études et elle a la particularité
d'avoir un succès assez immédiat avec ses premières nouvelles. Alors, ce qu'il faut que vous le sachiez, enfin, pour ceux qui sont coréens, ils le savent, mais les autres peut-être moins, la littérature, enfin, la forme romanesque n'est pas la forme première en Corée, c'est la nouvelle d'abord, la poésie bien sûr, mais la nouvelle, et beaucoup d'auteurs commencent en publiant dans les journaux, où ils peuvent comme ça se faire connaître et avoir des prix, ce qui est le cas de Kim Moon-soon, pardon, qui a eu ses nouvelles remarquées en publiant dans la presse. Donc ça c'est une particularité coréenne qu'il faut savoir qui est importante. Donc ce qui m'a séduit particulièrement alors dans le roman de Chung Hyun, c'est à la fois la modernité de l'écriture et le caractère très spécifique du sujet, qui est un sujet de société, mais qui est devenu un sujet vraiment très important sur les mariages arrangés. Il y a un phénomène en Corée, mais il n'y a pas qu'en Corée, mais en tous les cas, d'hommes à la campagne qui ne trouvent plus de femmes parce qu'il n'y en a plus. Et donc, il y a des agences matrimoniales qui organisent des voyages pour rencontrer des femmes donc au Vietnam, en Mongolie et en Chine. Et là, en l'occurrence, on me demandera après pourquoi elle a traité ce sujet, pourquoi elle a abordé. Mais le roman, c'est l'histoire de deux frères, donc, dont l'un est handicapé, qui partent en Chine, où il y a une communauté coréenne, pour trouver une épouse. Alors il y a un des deux frères qui finissent par en trouver une, et il la ramène à Séoul, où elle arrive à s'intégrer. Manque de chance, le frère tombe amoureux de sa belle-sœur, et à partir de là, évidemment, c'est pas possible, et donc il y a roman. Mais on découvre également d'autres choses dans le roman, notamment la circulation et le trafic entre la Chine et la Corée, le trafic d'alcool, de médicaments et de racines de ginseng. Voilà, mais bon, ça c'est pas anecdotique, mais c'est important parce que ça prend de la place dans le roman. Le roman de Kim Moon-soon, c'est vraiment très différent, puisque c'est l'histoire de quelqu'un qui s'ennuie beaucoup, qu'on met dans un placard, qui va ouvrir, et dans ce placard il va découvrir des choses assez extraordinaires, qui sont d'ailleurs fondées sur le réel. La réalité est pleine de choses, extraordinaire, et il a su parfaitement l'exploiter. Et je vais peut-être arrêter de parler parce qu'il faut que l'interprète puisse traduire ce que j'explique aux auteurs. Et puis peut-être que avant que je pose la première question, on pourrait commencer par une lecture pour mettre dans le bain. Véronique. On a dit que l'auteur coréen lisait un petit bout de son texte dans sa propre langue pour qu'on se familiarise avec. Et puis Véronique va enchaîner en français.누가 야찬 얘기라도 하면 조리실로 반려가 닥친 대로 먹을 것을 훔쳐왔고 또 누가 사무장 얘기하면 곧바로 반려가 사무장 멱살을 잡았다. 사람들은 그런 형을 독려하며 새로운 완장을 채워주기 바빴다. 저들이 하기 싫은 일이나 껄끄러운 일들은 모두 형에게 미루었다. 그런 형의 모습은 어찌 보면 활력이 넘치는 것도 같고 발악을 하는 것도 같았다. 나는 형을 제어할 수도 독려할 수도 없었다. 형은 나에게만 이상한 낯이 차갑고 냉정했다. 봄이 왔다. 봄과 함께 형도 내게로 돌아왔다. Il se dévouait pour effectuer les basses besognes qu'on lui donnait. Si quelqu'un parlait du dîner, il se précipitait aux cuisines pour y dérober de quoi manger. Si quelqu'un disait du mal du commissaire, il s'empressait de prendre ce dernier à la gorge.
Les gens l'encourageaient dans ses actions et se dépêchaient de lui donner de nouvelles missions. Quand on arrivait à Yongchun, Sangbong et lui allaient boire jusqu'à plus soif, ou se payer une femme, ou traverser clandestinement le fleuve frontière de Tumen. D'un côté, il paraissait dynamique, et de l'autre, il semblait en proie à la colère. Il m'était impossible ni de le contrôler, ni de lui redonner du courage. Il me réservait à moi seul une attitude froide et impitoyable. Merci. Donc c'est une autre partie du chalet. Porté par le vent, le brouillard s'abattit sur moi. Chacune de ces particules pénétra profondément dans mon corps. Et comme il commença à me ronger tous les organes, le cœur, le foie et tous les vaisseaux sanguins un à un, ce qui minait toutes les parties de mon corps, c'était une insondable tristesse. Une tristesse plus puissante que la mort. Je me suis redressée difficilement, j'ai mis le pied sur une marche, et après deux ou trois pas, j'ai de nouveau été clouée sur place. Mon frère, il était là, dans le brouillard, en train de passer du palier des marches descendant du pont B à la rambarde. Puis il est monté dessus, a maintenu avec difficulté son équilibre de ses deux bras, n'a rien pu dire, ni m'opposer à quoi que ce soit. Ne fais pas ça. J'ai eu tant de peine à émettre ces mots qu'aucun son n'a pu sortir de ma bouche. On aurait dit que cet épais brouillard m'obstruait la gorge. Mon frère, droit comme un i, a écarté les bras, il a regardé vers moi un instant, un très bref instant, puis il s'est élancé, dans le brouillard, tel un oiseau. Bras et jambes écartés, il s'est envolé et a disparu. Il a disparu et n'est resté que cet atroce brouillard. Merci. Donc, on va peut-être enchaîner sur le... Enfin, j'avais pensé leur poser une question un peu à tout le général, de savoir à quel moment ils ont décidé d'écrire et de publier. Et on pourrait, dans la foulée, après, expliquer pourquoi avoir pris les sujets qu'ils ont abordés dans chaque... Alors, on peut poser la même question de tous les autres. Oui.왜 소설을 써야 했냐고 물으면 쓸 수밖에 없었다는 말과 비교할 수가 없는데요. 속도 거두름을 피자면 제가 쓰면 잘 쓸 것 같았어요. 그래서 그냥 쓰고 싶어서 썼다라는 말밖에 저도 설명이 되지 않는데 저희 어머니 그래서 하시는 말씀은 제가 소설가가 된 다음에 그 전에 소설을 쓰겠다고 몇 년 시간을 보낼 때는 도대체 뭐 하려고 저러나 걱정이 태산이셨던 분이 소설가가 되자마자 하시는 말씀은 내가 그럴 줄 알았다, 어릴 때부터 알아봤다라고 하시면서 혼자 남겨진 시간에 벽에다 대고
하고 뭐라고 중얼거리더라. 그래서 제가 좀 이상한 줄 알았는데 소설가가 되려고 다 그래서 그랬나 보다 라고 하시면서 일찌감치 알아봤다는 말씀을 하셨거든요. 저는 그래서 어머니가 그렇게 말씀해 주신 것에 대해서 되게 감사하게 생각해요. Si vous me demandez pourquoi j'écris des romans, je n'ai que la réponse que je ne pouvais que écrire des romans. Et si je ose le dire, en fait, parce que je pensais que moi, je pouvais écrire bien. Et donc, la seule réponse, on peut dire que c'est parce que je voulais écrire. Ma mère me disait, après que je suis venue à écrire, qu'elle s'inquiète, pendant les années, qu'elle s'inquiétait tant qu'est-ce qu'elle va devenir. Mais après, quand je suis devenue écrivaine, elle m'a dit que je savais que tu seras un jour écrivaine parce que depuis que tu étais tout petit, tu regardais le mur en murmurant des choses par toi seul. Donc je pense que c'est ça. Et je tiens à remercier à ma mère parce qu'elle m'a dit. Je ne suis pas très bonne de dire des choses, des phrases courtes. Mes amis disent que tu es trop courte. Je ne savais parler plus densément, je serais poète plutôt que romancière. 질문이 두 개였었거든요. 첫 번째 왜 글을 쓰려고 했는가와 이 소설을 왜 썼는가. 두 번째 질문을 안, 그 답변을 안 했고요. 제가 해석코스는 늘 문장만 쓰다가 처음으로 긴 이야기를 써보자 했던 것이었는데 제 주변에 이런 자기의 얘기를 소설로 써달라고 했던 분의 요구도 있었거니와 그때의 중심 고민들이 어떤 경계에 대한 고민 중에 아름다운 것, 추한 것, 살아있는 것, 보이는 것, 그것에 대한 경계를 단편으로 내게 쓰다가 진짜 공간적인, 논리적인 경계에 대해서 한번 생각해보자 했고, 그래서 국경을 넘나드는 이야기를 쓰게 됐습니다. 그렇게 나온 게 잘 나와서 그렇습니다. Vous m'avez posé deux questions, donc je vais pas vous donner la réponse pour la deuxième question. Pourquoi j'ai écrit ce roman en particulier, Adieu le cire. En fait, j'ai commencé avec des nouvelles, donc c'était la première fois que j'ai écrit un roman. Une partie, c'était parce qu'une personne que j'ai connue dans mon entourage m'a demandé de raconter son histoire. Et aussi à ce moment-là, je pensais beaucoup à des frontières. Quelle est la frontière entre la beauté, la laideur, les choses qui sont vivantes, les choses qui sont mortes. Et aussi, je pensais à la frontière spatiale, la frontière qui existe dans l'espace. Donc, c'est la frontière entre la chimie et la corée. C'est des choses comme ça qui m'ont amené à créer ce livre. Soit ce n'est pas un peu de temps, mais
그런 일이라고 생각을 합니다. 제가 크리드 로망, parce que j'aime vivre dans des histoires, parmi des histoires qui peuvent être irréelles, pas réalistes, mais j'aime jouer, dormir, rêver parmi ces histoires et parmi le monde que j'ai créé. Pour moi, je suis heureux, c'est individuellement, je suis heureux. Donc pour moi, si on dit créer des romans, faire de la littérature, ça a un côté un peu... excusez-moi, je trouve pas le mot. Qui n'est pas essentiel à la vie, une sorte pour satisfaire son amour de soi ou l'envie d'être reconnu par le monde. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de la carte ?사람들이 가장 아름답게 살 수 있는 어떤 형태가 신이 다 사람들이 다르게 만들어 놓았는데 우리가 굳이 똑같은 모습이 되려고 열심히 살아가고 있는 거죠. 그래서 저는 이 소설 태빈형 씨 인공적으로 보여주고 싶어하는 모습을 우리가 변형된 다른 모습 사실은 신이 다 모든 걸 다르게 만들어가기 때문에 우리 한 명 한 명은 각자 자기의 모습을 찾아간다는 것은 이 세계가 전부 다 다른 얼굴로 공조하고 사는 것이라고 생각을 합니다. On peut dire qu'à mon avis, la société coréenne, c'est une société très polie. Donc, et c'est une société qui oblige les gens de vivre des vies similaires, des vies qui sont la même pour tout le monde. Mais parmi mes amis, j'ai des amis qui veulent continuer de dormir, qui veulent devenir le chat, ou qui veulent oublier de mauvais souvenirs, un homme qui veut devenir une femme. Je pense que quand le Dieu pensait à la diversité des espèces, que tout qui est vivant sur Terre va garder son propre... son propre forme, son propre façon de vivre. Mais, par contre, tous les humains, nous essayons de devenir comme l'autre, comme tous les autres gens. Et donc, mon roman montre ces gens qui en transformation. Et je pense que c'est une façon d'aller vers le vraie vie où chacun trouve son propre forme, propre visage pour la vie. Oui, en parlant de forme, donc ce sont quand même deux romans qui ont effectivement une forme différente. Pour Adieu le cirque, on a deux narrateurs dont en alternance. On a la voix du frère, celui qui est handicapé, et puis la voix de la jeune femme. Et l'auteur a la particularité de passer de scènes parfois d'une extrême violence qui traduisent la violence de la situation et des scènes aussi d'une très grande poésie.
Et quant à la forme du placard, je crois que la meilleure illustration serait de faire une lecture pour vous en donner une idée. On peut peut-être enchaîner sur une lecture d'extrait du placard. Donc, dont la forme est très particulière et assez folle.어릴 때 저에게는 예쁜 크리스탈 잔이 하나 있었습니다. 그것에 마음을 빼앗겼죠. 크리스탈 잔을 책상 위에 올려두고 몇 시간씩이나 바라보곤 했어요. 어찌나 아름다운지 또 봐도 즐기지가 않더군요. 그리고 어느 날 그것이 먹고 싶다는 생각이 들었습니다. 이를테면 시각적인 아름다움이 미각적인 아름다움으로 전이된 거죠. 그래서 먹었습니다. 어떻든가요? 좋겠군요. 감사합니다. Son nom, c'est le placard numéro 13. Le chiffre 13 n'a pas de sens particulier. Ce placard se trouve tout bêtement être le 13e sur la gauche dans la salle d'archives. Un vrai nom aurait été plus sympa. Tant pis. Après tout, ça n'est jamais qu'un placard. Donc, ne fantasmez pas au sujet de ce placard. Si par hasard vous avez l'intention de lire cette histoire, je vous conseille de renoncer à tout romantisme vain. Si vous y tenez vraiment et que vous poursuivez, quoi que vous ayez imaginé, vous allez vers des déceptions. Un placard banal, comme on en voyait dans les mairies vers les années 1980 ou même 1990. Comme ces placards où l'on laisse son jogging trempé de sueur, une chaussette de tennis, un ballon de foot dégonflé, des vieux papiers, enfin, etc. Avant de claquer la porte d'un coup, un placard moche. L'image qui surgit quand vous entendez placard, ce à quoi vous pensez sans réfléchir là, tout en vous demandant, non, ça, oui ça, le placard numéro 13 dont je vais vous parler. Selon le rapport du Manhattan Consulting en 2005, le nombre de personnes buvant chaque jour du pétrole à la place de l'eau minérale s'est élevé à plus de 1400 dans le monde. Cette étude ne concerne pas les enfants des pays pauvres qui prennent quelques gouttes de pétrole en guise de vermifuge, mais des gens aisés consommant quotidiennement au moins 2 litres d'essence, par ailleurs d'une qualité supérieure. La plupart d'entre eux habitent des appartements luxueux dans les grandes villes, New York, Londres, Paris, élite de la société, riche. Ils travaillent dans les secteurs du droit ou de la finance. Leur mode de consommation est très varié. Boissons courantes, fortifiant contre la fatigue ou encore alternative à l'eau dans la préparation des plats. Monsieur Terry Burns, financier londonien et amateur de pétrole depuis 10 ans, s'inquiète de consommer plus que sa BMW. J'ai tout essayé. Et pour une quantité égale de pétrole, ma voiture affiche des performances supérieures aux miennes. Est-ce la BM qui est meilleure ou moi qui gère mal mes besoins? S'interroge-t-il. Sincèrement, je ne vois pas quoi répondre à une question aussi saugrenue, sinon que le monde est à ce point sans dessus-dessous que nous disposerons bientôt de nouveaux modèles de BMW qui rouleront avec des Dunkin' Donuts ou des hamburgers de chez McDonald's. Si ça peut rassurer ce monsieur. Pourquoi diable ces gens éduqués, aisés, boivent-ils du pétrole? Selon eux, ça alimente leur corps et leur esprit mieux que tout. Ils sont persuadés de rendre ainsi leur existence plus dynamique et plus régulière, à l'instar d'un moteur de voiture. Il suffit de faire le plein. Ce serait dommage de gâcher nos affaires par manque de sommeil ou par excès de fatigue. Et à vrai dire, oh, pas très professionnel. Les attitudes archaïques ne nous permettront pas de survivre dans la société moderne. Nous considérons que la carte traditionnelle, protéines, glucides, lipides engendrent des dérèglements nocifs. Les menus à base de pain et viande distraient les hommes et amoindrissent leur crédibilité. Le peintre
parole et l'avenir de l'humanité. Oui, regardez autour de vous. Nous sommes au 21e siècle, paradis de la vitesse. Nous devons être prêts à bondir à tout moment. Alors, pour continuer la réflexion sur la forme, on pourrait peut-être demander à chacun des auteurs leur position en tant que jeunes auteurs par rapport à la littérature coréenne dans son ensemble, rester dans leur roman spécifique, de voir s'ils ont rencontré des difficultés particulières pour écrire leur roman ou si c'est venu. S'ils ont trouvé la forme tout de suite, comment sont nés ces deux romans qui sont quand même, comme vous l'avez perçu, très différents l'un de l'autre. Essayer d'écrire un roman par an, mais finalement, pour la plupart, je jette. Je pense que sur tous les romans que j'ai travaillé, les uns que j'ai passé beaucoup de temps et pensé à écrire longtemps, ils n'ont pas réussi, je les ai jetés tout. Et je pense qu'un bon texte, un bon roman, ça s'écrit rapidement.가장 어려웠던 건 이 번역에 프랑스 번역에 나오지는 않았으나 지금 남한에서는 쓰이지 않는 연변어를 한국 문학에 제대로 살려보자 하는 욕심이 있어서 제가 쓰지 않는 연변의 언어를 이 글에서 최대한 잘 쓸 수 있도록 하기 위한 기간 연변에 가서 1년 반 정도 지내면서 그들과 생활하면서 언어를 익히는 그 과정이 가장 어려웠어요. 그런데 되돌아보면 괜한 노력까지는 아니지만 뭐 한다고 그 고생을 했나 싶은 느낌이 약간 지금은 후회가 돼요. J'avais pas de difficultés particulières pour trouver la forme qui correspond au contenu parce que pour un amour inachevé, ça nécessitait devoir tenir. Pour moi, la chose la plus difficile en écrivant ce roman, en fait, ça ne se montre pas dans la traduction française parce que c'était
mon envie d'essayer de montrer le dialecte Yeongyeon, qui est un dialecte coréen un peu plus ancien qui se parle plus en Corée du Sud. Et je voulais, par ce roman, à travers ce roman, montrer ce dialecte Yeongyeon, l'introduire, comme on dit, dans la littérature coréenne. Et je passais un an et demi à Yeongyeon, vivre, essayer d'apprendre leur langue. Et c'était ça la chose la plus difficile, mais maintenant, quand je pense à ce temps passé, ça n'a finalement pas servi à grand chose. Et effectivement, c'est une dimension qui est assez difficile à faire passer dans la traduction. J'avais rencontré déjà ce problème, notamment pour la publication d'un roman de Han Sung-won, qui faisait parler des paysans et qui avait effectivement un autre langage que les gens de la ville. Et dans la traduction, ce sont vraiment des problèmes très complexes. Mais justement, puisque j'ai évoqué Han Sung-won, j'aurais pu aussi évoquer Han Sung-kyung et d'autres écrivains donc, qui font partie de leurs aînés. Alors la question que je voulais poser à tous les deux, puisque effectivement ils sont tous les deux représentants d'une nouvelle génération d'écrivains dans leur pays, et vous avez pu constater d'ailleurs, bon, même si on a fait qu'effleurer les sujets, que ce soit Adieu le cire ou Le placard, il y a une volonté, ou en tous les cas c'est manifeste, de sortir de la Corée, l'un pour aller en Chine, l'autre pour parcourir le monde à travers des sujets qui concernent le monde entier d'aujourd'hui. Donc je voulais savoir s'il y a chez eux une volonté de se démarquer de leurs aînés pour, dans leur création.발전에는 더 나은 것도 있고 다른 목소리도 있고 저희 세대적으로는 전후 세대입니다. 혹은 80년대를 지나오면서 민주화 운동의 후일담이거나 그것에 대한 죄책감이거나 이런 것들 혹은 이제 막 눈뜨기 시작한 여성주의 문화 이렇게 한국 문학이 이어져 왔었는데 그것과 똑같은 소설을 쓴다면 다른 목소리 혹은 그러니까 발전하지 않는 것임에는 분명하고요. 그걸 같은 걸 쓴다고 생각하는 작가는 저는 없다고 생각해요. 자기는 늘 새로운 것 혹은 남들과는 다른 것을 쓴다는 믿음이 없으면 과연 어떻게 계속해서 소설을 쓸 수 있겠어요? 그런데 저희 세대 같은 경우에는 그 앞에서 말한 그 주제들에 의해서 조금씩 자유로워지는 세대임에는 분명하고 또 저희가 한 것들 때문에 저희 이후에 80년대생, 90년대생들의 그 작가들은 또 다른 소설을 쓸 수 있고요. 그러니까 언제나 늘 새로운 소설 혹은 내가 그 다른 소설을 쓰고 있다. 그러나 그것은 결국은 내가 지금까지 살아온 어떤 사회 문화가 다 들어간 내 몸에 있는 한 가지 이야기, 같은 이야기를 하고 있는 것. 다르지만 같은 이야기를 끊임없이 죽을 때까지 하는 것이 작가가 아닐까 싶어요. 이것이 저만이 아니라 모든 작가들이 그러하리라고 생각이 들어요. écrivain indien parmi le public, mais en fait, pour dire, je pense que il y aura seulement le développement aura lieu seulement si on
si on passe par 30 des sujets, ce qui était avant. Donc c'est comme ça qu'on arrive à produire quelque chose de mieux, d'autres voies. Je pense qu'on peut dire que nous sommes tous dans la même génération des auteurs après la guerre, mais aussi qui a vécu le mouvement pro-démocratique dans les années 80, et donc la littérature qui a traité de ces temps-là, et les anecdotes, ou le sentiment de ne pas pouvoir réussir avec ces mouvements. Mais pour nous, si on continue dans le même veine, il n'y aura pas de on n'avancera pas. Et je pense que tous les écrivains, tous les auteurs pensent que lui ou elle sont différents des autres. Si on ne pense pas ça, comment est-ce qu'on peut être écrivain? Comment ça sert d'écrire si on ne pense qu'on est différent des autres? Je pense que dans ce sens-là, au moins pour notre génération, on essaie d'être un peu plus libre de ces sujets qu'on a traités avant. Et finalement, pour être un écrivain, c'est écrire l'histoire qui passe par son propre corps, d'écrire la même histoire, mais de façon différente. Je pense que c'est comme ça que vit la vie d'un écrivain, de continuer d'écrire, de raconter cette histoire qu'on vit. Est-ce qu'on peut demander à Kim Hong-soo comment il se situe par rapport à ses aînés?신문지를 당했고, 그래서 어떤 모든 600년 전통들이 사라지고, 그 이후로 생긴 문학이라든지, 서양 400년 동안 만들어 놓은 문학이 100년을 안 그걸 들어가지고, 마음 뒤집고 죽게 되는 하나의 형태라고 생각해요. En Corée, il existait des savants. On commençait par étudier les classiques à l'âge 6, à 6 ans pour devenir travailler dans le service public à 30 ans. Donc on peut dire que la Corée, c'est un pays qui était gouverné par des savants, des érudits pendant 600 ans. Et c'était dans une façon un peu particulière, différent, même si similaire, différent de celle de la Chine. Mais je pense que la culture coréenne aurait été développée dans une autre façon si cette tradition a continué. Mais malheureusement, on était colonisé par le Japon entre-temps. Et après la guerre, je pense que les influences, en particulier de la littérature occidentale, c'est que la littérature occidentale a pu développé pendant plusieurs siècles, c'est entré dans 100 ans en Corée. Donc c'était tous les mouvements, toutes les influences étaient mélangées, on peut dire que c'est ça où se trouve la culture coréenne aujourd'hui. Le 식민지 시절이 지나고 다음에 그 끝나자마자 공산주의와 또 좌파우파가 깊은 전쟁을 하고 또 50년 동안 남북한에 나눠져가지고 싸우더라고. 몇년 동안 우리는 너무나 많은 문제가 그다음 한국은 전 세계 유례가 정도로 굉장히 빠르게 고도 성장을 했고,
있었어요. 신분의 구성이라든가 굉장히 많은 사회적 문제가 생겼는데 그것을 담을 만한 건드리는 형식들을 우리가 차례차례 이렇게 학습용 자리랑 마치 종합성을 전문적으로 한꺼번에 들어왔기 때문에 이것이 정확하게 전시들의 어떤 한국 문화로부터 영향을 받았느냐 안 받았느냐고 말하는 것은 간단한 문제가 아니라고 생각을 해요. 황수경 선생이랑 황수경 선생이랑 아니면 저랑 당신은 어떻게 다른가라고 묻는다면 이것을 저 사프란시가 계속 질문하는 이 기관은 옛날에 다른 문제라고 생각하는 우리는 너무나 많은 곤란성 속에서 그냥 각자의 문학을 하고 있는 게 중요하다고 생각해요. Et après la décolonisation et l'indépendance, il y avait cette guerre idéologique entre communistes et communistes. Et aussi cette guerre que la Corée du Sud et la Corée du Nord continuent plus que 50 ans maintenant. Et avec ça, il y avait aussi cette croissance économique extraordinaire, très rapide, qui a entraîné beaucoup d'autres problèmes sociaux. La grande mouvement des classes, par exemple, aussi. Je pense que la dictature moderne coréenne n'avait pas les moyens pour pouvoir bien traiter tous ces mouvements et problèmes. Et si vous me demandez comment je suis influencée de la génération avant, ou comment je me considère différente des auteurs comme Han Sung-hwan ou Han Sang-kyung, je dois dire que c'est... Pour moi, l'impression est qu'on est tous dans... On s'est débrouillé un peu. Chacun fait son propre littérature, dans un sens. Sans être des romans urbains, la ville de Séoul, qui est vraiment une ville très très importante par rapport au pays, encore peut-être plus que Paris en France, est un point d'ancrage dans les deux romans, c'est-à-dire dans Adieu le cirque, les personnages quittent Séoul pour y revenir, c'est dans la banlieue de Séoul, mais enfin c'est quand même Séoul, et puis on imagine mal le placard se dérouler ailleurs que dans une grande ville comme Séoul. Donc la question que je voulais leur poser, c'est de savoir si leur roman aurait pu se dérouler dans une autre partie du monde.인간다움을 유지할 만한 조건을 가질 수 있을까? 뭐 이런 질문들이기 때문에 사실 남극 아니면 다 가능한 일이 아닐까? 온디게 la grande métropole, on discute beaucoup si la grande métropole donne des conditions pour pouvoir mener une vie humaine, une vie digne des hommes. Les futurs, les gens qui font des études sur le futur disent que dans 10 ou 20 ans, plus que la moitié ou même 70% des gens du monde vont vivre dans une ville. Moi, je suis d'origine de Busan, c'est un peu comme la Marseille coréenne. Il y a une population de 7 millions. Et dans le roman,
le placard, c'est donc c'est cette question de pouvoir mener une vie propre humaine, mener une qualité de vie humaine dans une ville qui oppresse les gens avec la vitesse de la vie, si c'est possible. Et donc je pense que l'histoire de mon roman peut se dérouler partout dans le monde, sauf peut-être sur le pôle du Sud. Sur le pôle du Sud. Ah, pôle Sud. Ah, 이 배경이 서울이 아니고요. 근교이고, 한국에 있는 남자는 중국의 근교인 외가인 영변으로 가게 되고요. 영변에 살고 있던 여자는 서울의 외가인 부천 혹은 인천이라는 수도권의 공간으로 가게 되는데, 그 공간 설정도 그래서 그런 공간이 설정되기도 했지만 현대화되거나 도시화된 서울로 상징되는 그런 삶이라기보다는 그 중심에조차 들어가지 못하는 경계의 삶에 더 가까운 이야기예요, 이 소설은. 그래서 서울, 파리 혹은 이 사회의 핵심이 아니라 거기에도 들어가지 못하는 많은 사람들, 한국과 중국의 문제도 아니고 각각이 다 갖고 있는 인간의 경계에서 어성거릴 수 있는 사람들의 모습이라고 오히려 봐야 될 것 같아요. Oui, je vous ai précisé que la Delicie, c'est pas Seoul, mais c'est le banlieue de Seoul. L'homme qui vivait en Corée, il se retrouve en Myeongdong, donc c'est dans le marginal de la Chine. Et la femme qui vivait en Myeongdong, elle se trouve à une ville comme Pucheon ou Incheon, donc proche banlieue de Seoul. Donc c'est pas un roman qui veut raconter la vie qui sont symbolisées par Seoul, cette modernité, modernisée ou urbanisée, mais c'est des gens qui sont pas dans le centre, qui sont pas en Paris ou Seoul, des centres comme ça, mais qui sont dans les marginaux, qui sont pas le centre de la société, mais qui continuent de faire son pas et bien autour de ces centres-là. C'est un roman plutôt sur la vie des marginaux. La vie des marginaux et donc la banlieue de Séoul. On peut peut-être faire une petite pause de lecture, Véronique. Donc, bonne idée. Avant de revenir à Paris. Dans la maison désertée depuis longtemps, seules les ordures abandonnées témoignaient d'une ancienne trace humaine. Je constatais à quel point une maison dépourvue de vie se détériorait vite. À quel point d'autres choses en prenaient possession. La chambre où le rire de mon frère retentissait sans cesse était devenue le refuge des rats et des insectes. Le potager où avaient poussé les légumes était rempli de détritus. Cette maison abandonnée de tous et mon cœur solitaire qui revenait était en ruine. Il n'y avait plus que le plastique de l'enclos aux canards qui s'agitait encore au fond. Depuis le lilas des Indes, je regardais ce qui restait de ce que j'avais connu. Cette maison, cet enclos aux canards, ces arbres, tout ça allait disparaître. Je regardais aussi les mauvaises herbes, tenaces. Elles avaient poussé entre les détritus. La férocité de cette vigueur me fit peur, et j'eus peur de moi-même. Moi qui continuais de manger et de respirer, seul, survivant à tous, moi, qui n'avais pas mis longtemps à me relever après avoir porté le deuil de mon frère, sans même en avoir conservé le corps, moi, qui regrettais le bateau, tout en déclarant ne plus vouloir le prendre, je ne supportais plus. Vendre la maison et le terrain n'avait pas été difficile,
L'endroit a été convoqué et convoité par les spéculateurs depuis l'apparition des grands ensembles résidentiels. Il s'était vendu à un prix satisfaisant. Il n'y avait ni meubles à céder, ni objets à prendre. Si ce n'avait été pour les cendres de maman, je n'aurais pas remis les pieds dans cette ruine. Assis près du lilas des Indes, j'ai allumé une cigarette et mes yeux ont aperçu une casserole en émail ternie à côté de l'arbre. Elle était peut-être là depuis longtemps car elle était à moitié enfoncée dans la terre. Elle avait dû laisser geler puis fondre cette pluie pleine de feuilles et de fleurs fanées qu'elle contenait. Placée comme elle l'était, c'est elle qui avait dû veiller à ma place sur cette maison délaissée de tous. Et sur maman, enterrée au pied du lilas des Indes. Comme vous pouvez devez peut-être le savoir, il y a de la littérature coréenne qui est traduite en français, mais les Coréens traduisent beaucoup la littérature du monde entier, occidentale et particulièrement française. Et donc ma dernière question pour nous ramener à Paris, c'est d'établir un pont, ce serait de demander à chacun des deux auteurs comment ils structuraient leur démarche par rapport à notre littérature occidentale et plus particulièrement française. Et ensuite, on peut peut-être après élargir les débats avec, en vous laissant poser des questions des auteurs qui vont essayer d'y répondre. Qui veut prendre la parole en premier? Je laisse le temps à l'interprète de traduire la question.집에 가서 이렇게 말할 걸 이런 어릴 때부터
친구들이랑 싸우면 이렇게 말했으면 이겼을 텐데 맨날 지고 들어와서 하는 그 후회하는 성격이어서 최대한 말을 적게 하고 더 천천히 하자 싶은데 이런 자리에서는 그게 안 돼서 조금 어렵고요. c'est une question difficile. En fait, je suis un type qui toujours regrette quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que je fais. Après, j'ai tendance à regretter beaucoup. C'est que quand je me bats avec mes amis, je rentre chez moi et je me souviens à ce moment-là, je devais dire ça. Mais c'est dommage que dans une conférence comme maintenant, je ne peux pas le faire. Mais j'ai plus tendance donc, à ne pas parler beaucoup, pour essayer de garder mes mots. 프랑스 문학이 저에게 어떤 영향을 미쳤는지 혹은 제가 어떤 다른 세계적인 작가들을 담고 싶은지 혹은 닮았는지 잘 모르겠어요. 그런데 그냥 여전히 저는 그 한국 작가도 마찬가지지만 한 명의 아주 성실한 독자 혹은 늘 감동받는 독자로서 대하게 되어 그냥 고전이나 아니면 지금 현대적인 작가들도 그렇고 그래서 어떤 영향을 미쳤는지는 잘 모르겠고요. 오히려 저한테 제가 소설을 쓰고 싶은 마음 혹은 문학이 뭔지 모르겠지만 이야기에 대한 어떤 장초를 제공했던 건 문학이라고 할 수는 없지만 고등학교 때까지 참 독서 안 한 아이였는데 그러니까 집에서 동화책이든 책을 안 사주셔서요. 이야기를 딱 두 번의 동화책이 있었어요. 그때는 근데 그건 그렇고 고등학교 때까지는 하이틴 도메스를 몰래 보는 것과 루팡과 관련 등등과 같은 추리소설 두 가지를 헌책방에서 보던 것, 그게 정말 짜릿했고요. 그거를 가장 문학적으로 잘 써서 써보는 것이 저의 하나의 목표이기도 합니다. Oh, franchement, je ne sais pas si vous me demandez c'est quelle la littérature française, si la littérature française m'a influencé beaucoup ou si j'ai des auteurs que j'aimerais ressembler à ou si je pense qu'il y a d'auteurs qui me ressemblent, je ne sais pas. Je peux seulement dire que je suis un lecteur très sincère et qui est toujours impressionné. Mais la classique comme les auteurs contemporains. C'est seulement que le sentiment de vouloir écrire un roman, de vouloir dire une histoire, raconter une histoire, je pense que je ne peux pas dire que c'est la littérature, mais ça, j'ai commencé. Franchement, jusqu'au lycée, je n'ai pas lu beaucoup de livres parce que ma mère ne m'achetait pas, donc j'avais seulement deux livres de contes d'enfants. Et ce qui m'a impressionné le plus parmi les livres que j'ai pu lire aux librairies d'Antiquité, par exemple, c'était les histoires de Lupin et des romans arlequins. Et je peux de toute façon dire que j'essaie même aujourd'hui d'écrire vraiment bien cette histoire. Rassurez-vous, avec Abdul Cirque, on est très loin du roman arlequin. si Véronique veut bien nous dire un petit extrait du placard maintenant. À Singapour, un homme s'alimente principalement de papier journal. Bon, au stade où nous en sommes, plus étonnant.
Quand on vit de pétrole, de verre ou d'acier, le papier journal passe pour une coquetterie. Sa consommation moyenne quotidienne est de 6 journaux. Au petit déjeuner, il prend du café et du journal. Il parcourt d'abord les pages politiques, puis les abattre. Il lit ensuite les pages culture, puis les abattre. Le dimanche, comme il n'a pas de quotidien, il mastique quelques tabloïdes. Le week-end, je n'ai pas le choix. Mais en semaine, je ne mange pas d'hebdomadaire. Non, pas tellement. Quel journal préférez-vous? Si l'article est intéressant, quelle que soit la qualité du papier, c'est toujours bon. Ceci dit, les journaux américains sont relativement fades. Berk. Le moins bon de tous, c'est le New York Times. Il vous arrive de manger une page sans l'avoir lue auparavant? Oui, ça se peut. Mais je préfère lire ce que je mange. Et puis, ça me distrait aussi. Qu'est-ce que vous mangez exactement? Des informations ou du papier? Les deux, je crois. Comme le parfum et le goût des aliments, il me faut les deux. Dans ce cas, vous pourriez aussi bien manger les infos de CNN. Oh, vous plaisantez? Il n'y aurait pas le plaisir de le mâcher. Ce que je viens de citer ne sont pas les seuls à manger de ces aliments plus ou moins délirants. En Mongolie intérieure, une écolière mange plus d'un kilo de terre tous les jours en dépit des efforts de ses parents et de ses instituteurs pour l'en dissuader. Un Finlandais prend une quantité minime de protéines et 300 watts d'électricité par jour pour compenser l'énergie manquante. En Chine, un homme consomme les tuiles du toit de sa maison multiséculaire, dilapidant au passage un héritage ancestral. Il y a aussi des gens qui préparent leur sandwich avec de la pâte de copeaux au lieu de pain. Au Vatican, un bibliothécaire a dévoré 700 ouvrages précieux. Au procès, les juges ont demandé « Mais pour quelle raison avez-vous mangé ces livres saints, héritage du haut esprit humain ? Témoignage de notre histoire, trésor pour la recherche !» Il a répondu « J'avais un creux. » Merci, Véronique. Écoutez, on pourrait peut-être, avant de terminer, voir si vous avez des questions à poser. Et on va faire circuler le micro, que ce soit donc les auteurs. Voilà. Juste avant de passer le micro, je voulais, parce que ça n'a pas été dit, je crois, souligner qu'on a parmi nous les deux traducteurs du placard, donc Mme Tchekyong-Lan et Pierre Bizieu qui sont là. Alors, est-ce que vous avez quelques questions, quelques réactions? Quelques interrogations profondes? À tous à la fois. J'aimerais bien demander à l'auteur du placard de quelle symptomatique se sent le plus proche. Question piège. Plusieurs d'autres questions?
Allez, une autre réaction, une autre question. Monsieur... Les deux livres sont très différents. Ça suscite pas mal de questions, je trouve. Je voulais poser une question à propos du placard. Alors, en Occident, on aurait tendance à faire une frontière très nette entre le corps et l'esprit. Ce n'est pas le cas de l'Orient. Les nombreux livres, donc il y a des gens qui, matériellement, sont un peu transgéniques, etc. Par contre, est-ce que c'est une littérature surréaliste ou bien c'est une façon de présenter les variations de l'esprit, de la civilisation, du comportement des gens à travers toutes ces images que vous nous donnez, quoi. Une forme de critique de notre société, de notre comportement. Bonsoir, Monsieur Lévy. Je뭔가 정신과 사람들 많이 다루는데 최현실의 말이라고 할 수 있는지 아니면 어떤 선생님이 보여주신 여러 이미지들이 그런 정신의 여러 차원들, 사람들의 태도가 이쪽에 이런 이미지를 통해서 지금 있는 그런 현대 사회의 그런 상실을 비판하는 대한 그런 비판을 마르크스는 자기 소설에 대해서 마술적 리얼리즘이라고 부르는 것들 매우 짜증을 내면서 내 소설은 마술적 리얼리즘이 아니다. 내 소설은 그냥 리얼리즘이다. 이렇게 말했는데 이런 그 말에 아주 동의를 합니다. 제 소설은 그냥 아주 리얼리즘이라고 부르고 있습니다. 마르크스, 내게 최파시시 온 라벨레스의 세우몬 공 리얼리즘 마지 이제 어떤 세스 리얼리즘 두상 Et pour moi, c'est pareil. Je pense que c'est mon roman, c'est du réalisme, c'est très réaliste. J'étais en train de penser que vous avez vraiment compris le sens du titre, le placard. C'est peut-être moins évident pour Adieu le cirque. En fait, évidemment, il faut entendre Adieu le cirque, donc comme dans l'expression française, bon, quel cirque, c'est... On arrête tout ça, mais il y a aussi une réalité de cirque. Alors, en fait, après ce que j'ai appris, il n'y a plus de cirque au sens propre du terme en Corée, en revanche, il y en a en Chine, comme vous le savez, et ces agences matrimoniales qui organisent ces mariages arrangés offrent à leur clientèle un spectacle de cirque. Et le roman de Chun Min-young commence par une scène de cirque. Il y a également aussi la présence d'un cirque à bord d'un bateau. On apprend beaucoup de choses sur le trafic entre la Chine et la Corée par bateau, ce qu'on n'a pas trop dans la tête. Et à un moment donné, il y a un cirque qui donc prend le bateau avec le héros, enfin le narrateur à bord, et qui est transporté par le bateau avec une scène absolument époustouflante à la Costa Rica, où un cheval vivant est jeté à la mer pour des raisons particulières, et c'est assez... il y a des scènes comme ça, normalement, assez très bien, mais je tenais à expliquer le titre Adieu le cirque. Si vous avez encore d'autres questions, ou alors à ce moment-là, on arrête et puis on prolonge autour d'un verre, Georges... Une dernière question. Il y a des spécialistes parmi nous que je vois là. Oui. Elle est quasiment obligée de répondre. Le placard, est-ce qu'il a cherché à dénoncer quelque chose? Est-ce que son livre est un livre engagé? Non, c'est comme je vous ai expliqué avant, c'est du réalisme. Comme plus ça dit que les choses transformées montrent plus de la vérité que des choses qui ne sont pas transformées.
Mais en fait, je me dis que nous sommes tous des symptomatiques, nous sommes tous transformés. Donc, parmi ces symptomatiques, il y a les hibernautes. C'est des gens qui dorment, mais pas 8 heures, comme en général, mais 3 ans, 6 mois. En fait, je pensais à hibernautes en regardant ma femme. Moi, je dors 5 heures, mais ma femme, elle dort 12 heures. Et après avoir dormi comme 12 heures, elle se réveille et dit « Oh, je n'ai pas assez dormi, il me manque de... » Vraiment, de sommeil. Et je pense que nous tous, on est transformés, on garde la transformation et dans cette transformation, il y a la vérité. Et une vie, la belle vie, donc, c'est de pouvoir vivre avec des choses qui sont transformées, qui sont étranges. Et de rendre compte de cette transformation ou de cette étrangeté. La beauté de la vie. Ok, une dernière question. J'adore cette notion de réalisme. Une dernière question. Ce qui m'a suivi là encore, insisté, c'est du réalisme. Yeah. 저는 천운영 작가님한테 한 가지 궁금한 게 있어서 질문 드리겠습니다. 제목이 아니움 블루 시르크, 잘나라 서커스인데 그 프랑스 말에서 아디움 그러면은 오르바 유효가 아니고 그러니까 완전히 이별할 때 쓰는 결별 혹은 죽음 이럴 때 쓰는 말이 아디움인데 우리말에 잘 가라 서커스 그러면은 다음에 한 번 더 보자 혹은 굉장히 그 좋은 뉘앙스를 갖게 되는데 제목이 그런 뜻인가요? 아디오 블루스티크라는 제목이 우리말 잘 가라 서커스하고 딱 맞는 제목인지 궁금합니다. 어떤 뜻으로 제목을 붙였는지요? Du roman Adieu le cirque. En français, adieu, c'est plutôt une phrase qu'utilise en connaissant avec la mort, la rupture. Mais Chalgara, en coréen, c'est plutôt, on dit à la prochaine, on va. Oui, en fait, donc si vous pouvez m'expliquer un peu le titre de votre roman. 한국에서 시골에서 도시로 상경하는 아들들을 떠나보낼 때 어여가라고 부모들이 하시거든요. 그러니까 가는 것이 아쉬우지만 어느 가서 성공해라 뭐 이런 애틋한 마음도 있고 그러니까 이게 그런 어머니적 감성이 더 강한 단어이죠. 그러니까 바이바이와는 다른 그러니까 축복 기원이 같이 들어있는 잘가라의 의미 예 그것도 바꿔보아요. 그러니까 여기 주인공 시어머니에게서 위안을 되게 많이 받는데 그렇게 쉽지 않거든요. 한국사에서는 근데 그 할머니 그 시어머니도 먼저 보내고 등등의 내용처럼 그러니까 지긋지긋해서 떠나보내는 것
또 포함이 되어 있는 듯 하지만 기원의 의미가 더 강한 예, 제목이죠. 한국말에서는. En Corée, quand Humer, quand le fils part de la campagne pour aller à la grande ville chercher du travail, réussir sa vie, il dit « Oyoga, va, allez-y, vas-y. » Même si elle a envie de le garder, elle dit comme ça, donc ça implique allez-y, réussir rapidement. Donc, c'est une sorte de bénédiction que sa vie, la vie de son fils, s'épanouit. Donc, je voulais garder ce sentiment d'une mère dont c'est plus profonde que juste un bye-bye, comme dire salut, mais la bénédiction et l'espoir qu'elle porte. Aussi dans le roman, le personnage principal est. Elle sait beaucoup à sa belle-mère, ce qui n'est pas facile en réalité dans la société coréenne. Mais donc c'est ce côté-là que je voudrais garder dans le disque. Mais il y a aussi, bien sûr, un sens de laisser partir, une sorte de bon débarras, mais donc, c'était plutôt le sens de bénédiction même en disant vas-y, allez-y. Très bien, mais écoutez, je vous propose de vous rendre pour la séance de dédicace et ensuite on a un petit buffet. Convivial, vous pourrez continuer l'entretien avec nos auteurs autour d'un verre. Merci beaucoup, applaudissements.